Gizmo Beach. Hey, une petite minute. Ça ressemble pas à Gizmo Beach. J'aurais peut-être dû tourner à droite à Albuquerque. Oh, regardez-moi la taille de ce distributeur de jus de carotte. Hop là! Ce silo pourra me dire où je me trouve et comment je pourrais m'en aller d'ici. Entrez donc. Comment allez-vous? Je m'appelle Merlin. Je suis un sorcier. Oui, vraiment un sorcier. Oh, ce que j'aimerais voir un sorcier. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien sûr, que ne ferais-je pas pour faire plaisir à un invité? Dites donc, c'est un tour assez chouette, Merlette. Et ça, vous savez le faire? Ça lui donne de quoi s'occuper, mais je ne suis pas plus près de mon terrier pour autant. Désolé d'interrompre cette démonstration très amusante, hein, mais vous pourriez me dire où je suis? Mon cher, il semble que vous soyez perdu dans le temps. Ici, c'est nulle part. Nulle part? Et vous savez comment je pourrais retourner, enfin, quelque part? Oh, bien sûr, je sais. Vous devez passer d'une époque à une autre et trouver des symboles comme celui-ci. Ils vous permettront d'atteindre d'autres périodes et de rejoindre progressivement le temps présent. Très bien, Lapin. Écoutez attentivement. Obtenez 10 de ces objets pour recevoir un symbole de pendule. C'est tout pour l'instant. Au revoir. Oui, au revoir, Merly. Lorsque vous courez, essayez la fonction « rouler ». Cela peut être utilisé comme une attaque contre vos ennemis. Utilisez la fonction « saut » ou « coup de pied ». Pas atteindre un ennemi qui vous fait face, donnez-lui un coup de pied au derrière. Ça peut fonctionner. Vous pouvez aussi essayer d'abord de le fatiguer. Lorsqu'il s'arrêtera, donnez-lui un coup de pied au derrière. Thank you.
glisser sur des ennemis pour atteindre des objets ou des plateformes in... Vous pouvez ramasser les objets et les jeter sur vos ennemis. Pour atterrir sur des objets explosifs comme les boîtes de TNT sans être blessé, utilisez la fonction oreille pour atterrir en douceur. Vous pouvez utiliser des objets comme des maillets pour assommer un ennemi, mais faites vite, les effets ne durent pas longtemps. Vous pouvez déplacer certains objets avec la fonction pousser. Ces objets pourront être utilisés comme marchepied pour atteindre un objet ou une plateforme.
Salut à toi, voyageur du temps. Laissez-moi sauvegarder votre position. Merci, Merly. Au revoir. Oui, au revoir, Merly. De réveiller quelqu'un, utilisez la fonction pointe des pieds. Elle peut aussi être utilisée sur des sols fragiles.
Sauter et utiliser la fonction plongeon au-dessus d'un trou de terrier pour atteindre le sous-sol. Pour ressortir, chercher un trou et sauter. Prenez celui-ci pour commencer votre quête. Il ouvre l'âge de pierre. Entrez-y et là, choisissez une des entrées ouvertes. Visitez chacune d'entre elles et rapportez les pendules cachées qu'elles renferment. Génial! Merci, Merly! Y a autre chose? Oui, bien sûr. Prendre des carottes augmentera votre énergie. C'est tout pour l'instant. Nous nous rencontrerons probablement de nouveau dans le temps. Voyager à travers les âges est un de mes passe-temps favoris. Je vous en apprendrai davantage plus tard, voyageurs du temps. Au revoir. Oui, au revoir, Merly. Ramasser des symboles? Pourquoi pas? Après tout, ils se sont moqués de l'homme qui a découvert la pénicilline. Woo!